Samedi 19 avril, à Limogne-en-Quercy, se déroulait la 8e édition du festival Écolote toi-même, organisé et présenté par l'association Coquelicos, qui est un lieu d'échange pour les personnes ayant une démarche alternative. Celle-ci promeut des savoirs, des savoir-faire et des démarches respectueuses de l'humain et de son environnement. Au programme du festival, partage d'idées autour de la culture et de la nourriture saine avec Valérie Vidal, de nombreux forums de discussion sur divers sujets tels que la mort écologique, le fichage global, l'eau source de vie, la démocratie, jardin et calendrier lunaire, le yoga en famille avec l'association Alternative et les aides à l'habitat. Plus de 100 exposants, producteurs, artisans, entreprises et associations étaient présents pour faire découvrir leur savoir-faire et pour animer des ateliers divers tels que la fabrication de cosmétiques à base de plantes ou l'atelier pâte à modeler. Tout au long de la journée avait lieu un marché, un troc aux plantes et une animation musicale avec les cousins du Quercy. Dans l'après-midi, deux conférences ont eu lieu, l'une intitulée « Oh la belle crise, le rêve d'une mutation » et la seconde traitée du TAFTA, accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, avec Raoul Marc Génard. Après ça, les participants à la journée ont pu se restaurer au repas organisé par l'association Coquelicos, avant de terminer la soirée avec le groupe franco-latino « El Gato Negro ».